Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de PVM contre la Haute Truche. Donc c'est un donjon à peu près 130. Le donjon s'appelle la Volière, il me semble, de la Haute Truche. Donc voilà, on va essayer de le faire en full succès. Je ne sais pas trop si ça va être difficile. Je sais comment faire, je sais à peu près comment m'y prendre. J'ai fait une petite tente avant et ça a fail. Tout simplement parce que le truchemuche m'a mis en état affaibli et je ne savais pas qu'il m'était en affaibli, donc ça fait foirer le succès barbare. On va essayer de faire full succès donc. Alors, ce qu'il faut, les trucs à savoir et qu'il faut penser vraiment, c'est taper au cac à tous les tours. C'est un peu chiant, mais j'ai mis un arc en racine arachnide, ça donne un PA et ça tape très peu. Donc voilà, comme ça au moins c'est réglé. J'essaye de kicker des PM en même temps. Alors. Donc ben c'est simple, je passe toujours un coup de cac. Je fais un coup de cac. Voilà. Je passe en Zato, comme ça je peux faire double vulné pour le prochain tour. Et je le tombe au tour 3, normalement, au début du tour 3. Je place un Wasta de l'autre côté pour qu'il aille emmerder. Je sais pas trop où je pourrais le mettre. Là-bas. Voilà, comme ça il va se prendre les PM. Hop là. Donc il faut bien placer mon coup de cac. Alors il me semble que lui il OS au cac. Les gruches. Ouais voilà, il OS les invoques au cac. Ouais, et c'est le truchemuche qui me fait peur. Donc là il soigne le truchutine. Alors là en général ce que je fais c'est que je passe. En général, enfin j'ai fait qu'une fois mais bon. Il me semble que je peux faire ça. Double bulle. Et un coup de cac. Ouais c'est ça. En espérant que ça tape. Oui. Et je recule un maximum, parce qu'en fait l'autre me fait peur. Et au début du tour 3 normalement je finis, si tout va bien. Ah là ça m'embête un peu, parce que je me suis... je me débuff. Je me stab, parce que je veux pas le pousser ou quoi que ce soit. Je fais un coup de cac sur Mister Humility. À 109 en crit. Je fais double... En fait ça j'avais pas prévu que ça te réduise. Ça réduit au cac. Normalement je le... Bah là je vais pas le tomber. Là normalement je le tombe à ce tour là. Est-ce qu'il m'a mis en état affaibli lui? Non il m'a pas mis en état affaibli. Et il soigne. Donc non j'ai pas réussi à le finir à ce tour là. On va faire double. Il reste ouais, 600 points de vie. Je vais essayer de tout faire. J'ai placé quand même le coup de cac. Il faut le tuer en premier, c'est en 20 tours. Donc on va essayer. Hein. Et je suis pas stable. On va faire ça. Un petit coup. On va le tuer. Je sais pas si ça va le finir. Ils ont gagné 2 PM chacun et ils vont jouer. Donc on va le soulever. Umi, et on va aller se cacher là. Ouais, comme ça. Moins 3 PM, c'est bon ça. Hop là, alors ici, est-ce que j'aurai la PO? Moi, il faut que je tue lui là, le truchemuche. Il fait vraiment peur. Hop là. Il faut que je pense au coup de cac, toujours. J'ai tendance à l'oublier un petit peu. On va lui faire un aveuglement. Tac. Bon, il s'avance petit à petit. Lui il va pas me toucher pendant un tour. Ouais. J'ai un peu peur là. Hein. Donc, je pense au coup de cac. Est-ce que j'ai la PO pour Ouais, je peux me dans le cul. Je vais me dans le cul. Alors ça dépend combien il manque de PO. Ah bah ok. Parfait. Je pense que je vais me debuff tout simplement. Ok, je... Indébuffable à PO. Ok, donc les moins 10 PO de la truchetine sont indébuffables. Ça, c'est bon à savoir. Bon, j'ai placé mon coup de cac et on est au 4ème tour. Donc là, il faut que je le finisse parce que lui, il va me saouler sinon. 2200. Alors, le coup de cac. Toujours. Une attaque nuageuse et double. J'espère que je vais le finir sincèrement. Parce que sinon, s'il nous met en état affaibli, ça va me rendre fou. Ouais, je vais le finir. Je vais passer le coup de cac.
Ok, au moins, ils vont gagner des PA, ou pas? Non, c'est bon. Ok, bah je les laisse venir de toute façon. Est-ce que j'avais bien tapé? Faut que je fasse gaffe à... Est-ce que j'avais bien tapé? Avec la racine, ouais, c'est ça. Faut que je pense à taper au tour de 1, enfin au début du tour. Comme ça, j'y pense forcément. Et il se soigne, il se soigne. Je vais voir tout simplement qu'on n'est pas en état affaibli. Hop là. Alors lui, il a moins 5. Ça va taper. Ouais, je vais me décaler. Hop là. Avec lui, un petit coup de cac. En crit. Est-ce que je le finis avec ses moins 15? 600. Ouais, autant y aller. 776. Donc même au G minimal, je le tue. Voilà. Hop là. On va lui faire un petit coup. Et il a assez de PM pour venir quand même jusqu'à moi. Je vais me debuff pour le cac. Prochain tour. J'espère que je l'ai fait. Oui, c'est bon. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Est-ce que je le finirai? Oui, normalement. Alors, je vais pas oublier le coup de cac. Voilà. Je vais faire ça. Et un, deux petites bulles. Hop là. Là, on va penser à caquer. Voilà. Et normalement, ça devrait le finir, hein, large. Je pense que, ouais, ça devrait le faire. 500, ouais. Bon, j'ai placé le coup de cac. Normalement, ça devrait déverrouiller tous les succès. On va voir. Je suis pas sûr, hein. Ouais, c'est bon. J'ai tous les succès. Donc, on va regarder ça ensemble. Tac. En duotage. Bon, c'était pas trop difficile, hein. Donc, j'ai gagné. Voilà. Des œufs. Des œufs, des œufs, des œufs. Alors, il paraîtrait qu'il y a un Dofus. Il paraîtrait. Donc, il fait 20 de puissance, un truc comme ça. Mais je sais pas du tout comment l'obtenir. Donc, je pense que c'est une quête ou un truc dans le genre. Peut-être, apparemment, il y avait une histoire comme quoi c'était un succès, mais il s'est révélé que non. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, le Dofus fait 20 puissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Soit une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye.